Coucou tout le monde, alors je reviens pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu pour mon swap du calendrier de l'Avent que j'avais fait avec une de mes abonnées qui est également donc sur Facebook. Et sur Facebook, elle s'appelle Laure fait de son mieux. Elle n'a pas de chaîne, donc voilà, elle ne peut pas vous montrer. Elle a mis des photos sur Facebook pour celles qui effectivement l'ont également en ami. Et donc on s'était fait un petit calendrier de l'Avent, donc avec un petit paquet par jour, comme beaucoup de youtubeuses ont fait entre elles. Donc du coup, je vous montre tout de suite ce que j'ai eu. Elle m'a bien gâtée avec des produits que je ne connais presque pas tous. Et même quand c'est des marques que je connaissais, c'était des produits que je n'avais pas testés. Donc je suis plutôt contente. Après, il y a eu juste une casse parce que le facteur n'a pas été très gentil, n'a pas été très tendre avec le paquet. Donc je vous montre tout de suite dans les soins. Voilà, les soins, c'est absolument pas dans l'ordre où je les ai ouverts, hein, mais je ne me souviens plus lequel était le premier, le deuxième. Donc j'ai eu un soin pour le corps de chez Yves Rocher. C'est donc un lait hydratant, un baume nutrition. Voilà. Donc comme elle sait, je pense que je suis une tarée de l'hydratation. J'ai eu, bon en fait je vais pas vous faire les soins par soin, je vais vous prendre les plus gros par les plus petits, ce qui vient. Et donc là j'ai eu un gel douche de chez Les Douceurs Parfumées par Christophe Felder, douche macaron rose fraise des bois. Voilà, donc un petit gel douche gourmand que je ziotais aussi depuis un moment sur le site des créateurs de beauté, mais je me suis jamais lancée. Ensuite, elle m'a offert de la gamme Nectar of Nature de chez Carrefour les cosmétiques, le baume corporel à l'huile de noix. Voilà. De la même gamme, elle m'a offert le gommage. Et de la même gamme, elle m'a offert le baume pour les lèvres. Tac. Ensuite, elle m'a offert de chez Burt's Bees. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, cette marque-ci. Voilà. Il me semble que c'est une marque qu'on trouve. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça se trouve. J'avais déjà vu cette marque quelque part, mais je voilà. Donc ça, c'est un baume pour le corps. Format voyage. Voilà. Ensuite, là, c'est la crème pour les pieds. Je redécouvre en fait, vous voyez, on est le 30 décembre, je vous filme donc mon swap et je me réémerveille des petites choses qu'elle m'a offert. Donc ça c'est la crème pour les pieds à noix de coco. Et de cette même marque, elle m'a offert le baume pour les mains. Plutôt sympatoche. Tac, ensuite j'ai eu trois vernis de marques différentes, donc de chez je ne sais pas quelle marque, Models Own. Un magnifique lilas mat comme ceci. Je me dépêche parce que je sens que ça va couper. La batterie est en train de mourir. Ensuite, de chez Essence, un magnifique bronze nacré. Et de chez Dedona, un rose électrique comme ça. Magnifique, pailleté. Enfin, de micro-paillettes. Ensuite, elle m'a offert une crème pour les mains comme ça, à la clémentine. Trop génialissime. Bon, il y a une opercule. Ça sent trop bon. Une crème pour les mains, je la trouve toute rigolote. Donc c'est la clémentine et ça forme une clémentine. Surtout que j'adore cette odeur, un petit peu la clémentine. J'aime pas l'avoir sous les ongles. Mais ensuite, en petit goodies, on va dire, elle m'a offert comme ça une cuillère à thé en forme de note de musique. Voilà. Donc plutôt sympatoche. Tac. Elle m'a offert une lime à ongles. Plutôt jolie. Grosse lime à ongles. J'ai reçu également des crayons. Alors, crayons pour les yeux de couleur vert comme ça. Moi, toutes les couleurs me conviennent et toutes les couleurs me vont bien. Donc ça, c'est chez Yves Rocher et c'est un crayon wet liner un peu nacré. Et j'ai eu mon premier produit de la marque Avril, un crayon kohl un petit peu gris taupe comme ça, foncé. Voilà, de la marque Avril. Et un crayon pareil de chez NYX, une marque que je n'ai pas encore testée, même si Emma m'a envoyé des choses, mais je ne les ai toujours pas ouvertes. Voilà. Donc il est bleu électrique comme ça. Il n'est pas ouvert, hein. Je ne l'ai pas swatché. Elle m'a offert un petit baume comme ça, là. Petit bunny, c'est un gloss baume hydratant. Donc super mimi, voilà. Ça sent bon, j'aime bien, et je trouve trop rigolo. Voilà. Ensuite, de chez Yves Rocher, elle m'a offert un petit ombre à paupières duo, comme ça, bleu et blanc, pailleté. Super joli. Hop.
Elle m'a offert également, enfin oui, dans mon calendrier de l'Avent, il y avait une ombre à paupières crème comme ça de la marque Belle. Oups là, petit opercule. En doré. Bah dis donc, ma Dolly, elle pète. Ça fait même une mousse, on a l'impression que ça fait une mousse. Voilà, ça veut bien se fermer, merci. Ensuite, elle m'a offert un bracelet, mais c'est un bracelet qui se compose de plusieurs bracelets. Donc au niveau, voilà, des bracelets, ça fait soit, enfin ça fait, on a l'impression que c'est cuir ou tissu. Et puis il y a des petits symboles, il y a voilà une encre love, il y a un fini, une croix. Voilà, bien sympathique. Elle m'a offert également une montre que je trouve trop belle. Je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà. Elle est magnifique, j'adore. Une montre en plus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, alors, ça a coupé. Je vous avais prévenu que ça allait couper. Donc là, je vais finir la vidéo. Il me reste juste deux petites choses à vous montrer. Donc, je vous ai branché et vous êtes couché dans la niche à Dolly. Donc voilà, elle va peut-être même pas aimer parce que du coup elle est là et elle vous voit. Donc vous m'avez en contre-jour avec une belle lampe derrière. J'ai une lampe sur le côté. Donc là vous avez vraiment mes escaliers, ma mezzanine. Voilà, super, vous avez plus mon canapé. Donc j'étais en train de vous montrer avant que ça coupe la chose qui n'avait pas résisté à la douceur du facteur. C'est cette petite palette de blush que je pense que j'aurais mais vraiment adoré. La couleur qui s'est cassée. Mais c'est pas grave, hein. Les quatre autres couleurs sont magnifiques et je pense que les deux couleurs qui étaient là étaient mais mortelles aussi. Bah tant pis pour moi. Voilà, pour le coup j'ai dû, bah, j'ai pas acheté le calendrier des facteurs, donc du coup voilà, il me le fait payer. Donc voilà, ce sont des blushs, des duo blushs qui sont magnifiques. Voilà, tant pis pour moi. Mais c'est vraiment super, j'adore, hein. J'adore. Et le dernier truc que j'ai eu, là je sais que c'était le dernier jour, c'était un sac comme ceci, un sac en tissu. Voilà, que Dolly va sentir, va sniffer. Voilà, et ça je pense que je vais l'utiliser là en janvier quand je vais partir en formation pour mettre ma tenue d'esthéticienne, mes petites ballerines. Voilà, je vais mettre ma tenue là-dedans. Je pense que voilà, c'est tout à fait dans le thème de la pureté et de la zénitude. Voilà, donc c'était tout les filles. Je vous fais donc des gros bisous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année parce que je sais que ça sera diffusé également au mois de janvier cette vidéo, alors que nous sommes pour moi le 30 décembre. Je vous fais, comme je vous ai dit, des vidéos pré-filmées pour pouvoir. Pardon, je crache parce que vu que je vais en formation, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer, mais du coup j'aurai le temps de poster des vidéos. Donc du coup, comme ça, vous aurez toujours une vidéo à regarder pendant ma période de formation. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite les filles et les garçons parce que j'ai toujours le réflexe de dire les filles, mais je sais qu'il y a des garçons qui me regardent. Voilà, je vous fais des bisous, à plus!